Bonjour à tous. Salut à vous. Avec Brigitte, on est super heureux. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est tombé sur une pépite de la magie et là, on va vous le présenter aujourd'hui. Alors, je vous dis tout de suite le nom, c'est The Last Rise. En fait, c'est les magasins Magic Dream qui ont mis leur sponsor dessus. Et franchement, si je le teste avec vous, c'est parce qu'il me plaît énormément. D'ailleurs, Brigitte ne sait même pas de quoi il s'agit et elle va le découvrir avec vous. Brigitte? Oui. Un jeu de cartes, oui. D'accord? Je ne vais pas te faire choisir une carte, parce que, comme vous le savez, les magiciens sont un peu, je dirais pas manipulateurs, mais presque, quoique. Non, je vais simplement te demander de penser à une carte, c'est-à-dire je vais défiler les cartes, et tu mémorises une carte. Est-ce oui. que c'est bon? Tu en as une? Oui. Très bien. Parfait. Oui. Alors, tu y penses bien, d'accord? Mm-hmm. Et moi, je vais essayer. Non, je vais pas essayer. Tu vas nommer ta... Ouais, on va faire différemment. Tu vas nommer ta carte. Alors, moi, c'était le 5 de carreau. Le 5 de carreau. Mm-hmm. Alors, je vais te demander, Brigitte, de regarder dans le moniteur mm-hmm. ce qui va se passer. Restez bien avec moi, mes amis. Restez bien avec moi, Brigitte, car maintenant, la magie va commencer. Tu vois là que ça commence? Non? Oui. Regarde. Pas trop, hein? Non. Regarde. Je sais pas, tu vois, regarde. Ah oui. C'est ça t'a plu? Le 5 de carreau. Qui apparaît comme ça sur le paquet, c'est génial. T'aimes bien? Ah mais carrément, c'est pas courant. C'est génial, franchement, de toute façon, c'est génial. Et c'est un tour de carte que tu peux faire comme ça, partout, d'entrée. Et ça, c'est franchement, ça met tout le monde d'accord. Voilà, c'était un petit effet du magasin Magic Dream, hein, donc c'est The Last Live de Andrew, d'accord, c'est ce qu'on appelle en fait en français la houlette magique. C'est le tour de magie de la houlette qui est très classique et en fait a été sorti il y a plus de 20 ans, même je crois même avant, hein. Donc ça a été repris par ce magicien-là, donc il existe différentes techniques. Celle-ci, elle est juste extraordinaire, car c'est un produit qui est solide, qui dure très longtemps, si vous êtes soigneux, bien sûr. Et la seule chose que je dirais, il faut le travailler. D'accord? Donc, vous savez, vous les magiciens, si je vous fais ça, voilà. Ok? Donc, à surveiller. Il y a des choses à surveiller. Mais sinon, c'est un tour qui est super efficace. D'ailleurs, on peut le faire, là, je l'ai fait avec toi, mais on peut le faire aussi avec deux personnes, trois personnes, non, pourquoi pas? Il fait son effet en plus, c'est surprenant. Bah oui, avec... C'est pas... Alors, ce qui est fort, en fait, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si t'es d'accord avec moi, c'est que là, en fait, je te fais pas choisir une carte, tu regardes une carte, tu la mémorises, mm-hmm. c'est tout. Ouais, c'est surprenant. Quoi. Franchement, c'est... Ça fait un bel effet, j'avoue. Ouais. Ok, bah sur ce, on vous donne un rendez-vous avec Brigitte à très bientôt pour un nouveau tour de magie. Allez, ciao les amis, bye bye.